canonnières se dirigent vers le point de rendez-vous. Ils vont atteindre l'escorte de Cerrera. Je suis ton allié. Combattons ensemble. On dirait un parchemin. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Bonne pas. C'est respectable. Yeah.
des Impériaux. Attrapez-le ! Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. On peut se concentrer sur l'équipement. Prêt à leur montrer ton nouveau style, BD ? Ça me convient très bien. On doit retrouver l'escorte avant l'Empire. Allons-y. Alors, tu m'observes ?
Comme au bon vieux temps. Surpris de me voir? Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Je n'en jugerai pas si vite, Calcestis. Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Viens, mon speeder est là-bas. Ton land speeder? Les Stormtroopers l'ont trouvé. Alors on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trouvés, nous aussi. T'es prête? Essaie seulement de me suivre, Sorel. Ne nous sous-estimez pas. Tu vas t'aider. Je vais le tuer. Ne baisse pas ta garde. T'esquivera pas éternellement. C'est pas fini. À nous deux, on peut la voir. Je suis avec toi, Sorel. J'heure de la nuit. Revenez ou pas. Demande de maintenance. Attention! C'était le dernier. Tu as appris de nouveaux tours. Toi aussi, on dirait. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher? Ça te plaît? Je croyais que t'étais parti explorer la galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jedha? Jedha fait partie de la galaxie, Cal. C'est bon à savoir. Je passe voir Serré de temps en temps. Quand j'ai su que le Mantis arrivait, j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Oui, ça pourrait marcher. Stormtrooper. Alors, on devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. Comment tu peux en être sûr? C'est juste un speeder. J'ai un bogey qui faisait. Une grotte ici à la ville. J'ai entendu dire que certains pèlerins vivent dans des grottes. On nous signale des ennemis dans la zone. On envoie une autre équipe éclaireur. On est déjà pas bien nombreux. Poste. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Comme l'autre fois sur Nar Shadda? Exactement. Je te suis. C'est une première. Il est là! Vous l'avez vu aussi, hein? Cal, attention! La vengeance sera mienne. Ça va? Ça va, oui. Par contre, mon speeder... Même si la tempête se calme, Serré est trop loin pour continuer à pied. Moins que... À quoi tu penses? On pourrait se trouver un transport? Très bien. Suis-moi.
Là, tu le vois? Oui. Aussi habile, BD a l'air d'être à la traîne. C'est juste une blague, droïde. Par là. Elle n'est pas coincée, j'espère. Nom d'un site, c'est bloqué. Oh, attention! Tu essaies de me tuer? Désolé, je pensais que... C'est bon, Cal. Recule. Je vais réparer ça. Qu'est-ce que tu fais? Je restaure ce que tu as plongé dans le chaos. Incroyable. Ça avait l'air fatigant. Tu veux faire une pause? La tempête approche. Je me reposerai quand on sera arrivé à la base de Céré. Où tu as appris ça? Sur Datomir. Tu es retourné chez toi? Oui. Mes sœurs sont parties, mais leur sagesse reste. Un steam, Bédé. Je vais beaucoup mieux. Merci. Ah, les spamels. Ils se sont arrêtés à une oasis. On se rapproche. La créature est partie, mais elle va revenir. Nous n'aurions jamais dû faire ce voyage. Que les Jedi nous protègent. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Y a rien à faire. Quand tu veux. J'aimais vraiment bien ce son. Ennemi en approche. Ensemble. C'est la fin. Allez, à vous éliminer.
Mérine, tu t'en occupes ? Bien sûr. On se retrouve de l'autre côté. Regarde ça. Y'a du mouvement, non ? Ah ! Je m'en occupe. Ils ont peur de toi. Je sais. Ils me surnomment le fantôme du désert. Le fantôme du désert, hein ? Hanter les impériaux est devenu mon passe-temps préféré. Ça a dû prendre plusieurs vies pour bâtir tout ça. Et maintenant, ceux qui l'ont construit sont partis. J'ai découvert les restes de nombreuses civilisations pendant mes voyages. Tout a une fin, quelle question. Un intrus ! Des ennemis. Tu sais qui c'était ? Non. Mais serré, peut-être. BD, tu trouves pas qu'il ressemble à Cal ? Il y a peut-être un Jedi dans les environs, mais... nos ordres sont de rester ici, monter la garde. Tu suis des ordres ? Bien. Avec un peu de chance, tu iras loin. J'obéis à l'Empire. Qu'est-ce que c'est ? Thank you.
restons sur nos gardes. On dirait des Jedi. Serré dit qu'à Jedha autrefois, les gens vénéraient les tiens. C'était peut-être le cas. Des Jedi. Bon, qu'est-ce qu'on a là? J'ai toujours aimé l'escalade. J'ai pas perdu la main. Si c'était une blague, j'espère que tu vas tomber. La tempête se rapproche. On va s'abriter dans la base de Serré. Elle est dans le désert, cachée de l'Empire. Un nid de Skryton. Mais où est le Skryton? Quelque chose approche. On peut la voir ensemble. Très bien. Attention, je sens un danger à proximité. Attention! Bien, j'ai compris. Ensemble, calme. Concentre-toi! On va pas tout bloquer. Continuez à lui mettre la pression. Vous allez se fuir, c'est ça? Prépare-toi au combat.
restons sur nos gardes. Personne n'a dit que l'ennemi est un Jedi. Ce sera pas ma faute si on perd. C'est pas possible. Une perte de temps. Un coup de main ? En ai-je envie. Merci. Céré serait déçu si je te laissais mourir seul dans le désert. Le Spamel ! Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser un ? Je peux essayer. Oasis, on est sauvés! Maintenant, nous avons la force de franchir le pont. Que les Jedi nous protègent. Je me demande ce que mangent les Spamel. Qu'est-ce que tu manges, toi? La tempête approche. On doit partir. Tu veux de l'aide ? Merci. Mais je me débrouille. Oh oh. On y va. Assez loin ? Plus vraiment, grâce à notre nouvel ami. Et maintenant, on a le temps de discuter. Sans blague. Ça fait des années. T'as dû visiter la galaxie tout entière ? Presque. C'était comment ? Incroyable. La cité engloutie de Curato. Les falaises de Persaia. La galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Tu as eu affaire à l'Empire ? Bien sûr. On vit à une époque difficile. J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Où que j'aille, je n'étais jamais très loin de mes pensées. Chemin du retour. Oh là ! J'ai jamais vu de tempête pareille. On ne sait jamais combien de temps elles vont durer. Eh bien, n'attendons pas de le savoir. Exactement.
Tu as évité Serré pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'Ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être parti? Je m'y attendais pas vraiment, Meryn. On porte tous dans des directions différentes. Je comprends, Cal. Mais chacun avait ses raisons. Ça y est. Doucement, doucement. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite? Oui, oui. Allez, avance! On doit se dépêcher. Plus vite! Oh!
entends ça? Oh, impossible. Le Spamel a dû trouver un abri. Par ici! Grant, ce Spamel nous a sauvés. On peut lui pardonner de nous avoir abandonnés à une mort certaine. C'est vrai. Voilà. C'est pas mal pour cette nuit. Assieds-toi. Raconte-moi quelles aventures BD et toi avez vécu depuis la dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit. Je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver. Mais ça implique de ne plus se battre. Et me battre, c'est tout ce que je connais. Cal. Regarde bien le feu. Il te réchauffe. Il te tient compagnie. Dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas? Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Mais par une nuit froide, comme celle-ci, un bon feu est idéal. Et ça ne fait pas de mal, un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Mérine. Toi aussi. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Qu'as-tu trouvé? Je me suis trouvée. Je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découverts. Datomir sera toujours mon foyer, mais ça ne doit pas me définir pour autant. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais avec du recul, je crois que tu as fait le bon choix. Il en reste un peu. Bonjour. Le temps s'est arrangé. Allons-y. On n'en a jamais trop. Eh bien, on a survécu à notre première tempête ensemble. En effet. Je suis content qu'on ait pu se revoir. Tu restes combien de temps sur Jeddah ? Je ne sais pas.
Mais j'ai hâte de revoir Grise. Comment il va? Ça peut aller. Il a ouvert une cantina. Le Pailoon Saloon. Il l'a nommé en hommage à son arrière-grand-mère? Rien n'est plus important pour Grise que la famille. Quel plaisir de te revoir enfin. Maître Cordova, c'est un honneur. Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. L'honneur est pour moi, Cal. Serré m'a tout raconté. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de sagesse également face à l'adversité écrasante. Vous avez fait le bon choix. Eh bien, je n'irai pas jusque-là. L'Empire s'est emparé des ruines. Il faut trouver un nouveau point de rendez-vous. C'est malheureux. Mais au moins la tempête a masqué vos traces. Venez, je vais vous escorter à l'intérieur. Maître Cordova, avez-vous retrouvé les Effauts ? Seulement des traces de leur passage, qui plongeaient dans les régions inconnues. Je suis désolé. C'est ainsi. Finalement, cet échec m'a poussé à chercher d'autres Jedi survivants. Et cette quête m'a mené à mon apprenti. Les archives sont par ici. Faut pas faire attendre Serré. Comment allez-vous, Cal ?
bien le bon. J'ai quelques égratignures, mais je respire encore. Je m'en réjouis. J'ai entendu dire qu'un terroriste Jedi se trouvait sur Coruscant. Vous étiez sur Coruscant ? Que le Mantis a connu des jours meilleurs. Tu devrais voir les autres. Cette base est bien cachée. Ouais. La présence de l'Empire s'est amplifiée ces dernières années. Ils sont trop puissants pour un combat direct. Mais nous faisons notre possible. Vous venez, Chad ? Il est bien entendu essentiel de tenir notre œuvre secrète. De quoi parlez-vous exactement ? Posez plutôt la question à Céré. En attendant, Mérine et moi accueillerons les nouveaux arrivants. Alors, comment était le désert ? Froid, venteux et plein d'impériaux. Ce n'est pas ma météo préférée. Mais ça devient la norme, si possible. Où avez-vous échappé à... La plateforme doit être ailleurs. Gris doit être dans la cuisine. On le retrouvera plus tard. Maître Cordova et moi allons attendre Gris. Va parler à Ciri. Il faut continuer. Frère Armias n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jeddah. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Vous reconstruisez les archives du temple ? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage. Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme... des Jedi survivants ? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi des personnes sensibles à la Force, et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit ? Tu n'as jamais demandé. De plus, il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable. Qu'on peut résister. Qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent. Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Eh bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais... pendant que l'Empire avait les yeux rivés sur toi, nous avons pu construire ce réseau, trouver des alliés et sauver des vies. Quand vous êtes parti, j'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Cal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que... les Jedi étaient plus que des armes.